découvrez nos jeux vidéo avant de les acheter. Qu'on sache exactement à quoi s'attendre avant de dépenser. Découvrir leur graphisme, leur maniabilité et leur réalisation avant leur version complète. Et si on testait leur démo ? Eh bien, salut à toi, je te souhaite la bienvenue pour ce 13e numéro de First Grip. Alors, j'espère que je vais pas avoir la poisse, je ne suis pas superstitieux, on n'est pas non plus vendredi 13. Nous sommes le mercredi 30 janvier 2013 et on se retrouve pour la bêta, donc ouverte, de Crysis 3. Alors moi j'attends pas forcément ce jeu là, mais j'ai mon pote Master Bullet que tu commences à connaître à chaque fois que je te parle de lui, il m'a dit qu'il l'attendait au même niveau que le 2. Donc moi le 2 je l'avais fait mais j'avais eu un petit peu de mal, je pense que le 3 va être un petit peu pareil, mais on va voir ce que ça va donner. Donc là la bêta c'est du multijoueur, évidemment. Non on va diminuer... Ah non, je vais laisser comme c'était parce que je vais mettre à 30. On va laisser comme ça. Alors, on va élargir l'aire de jeu pour bien voir tout ce qui se passe. Voilà, on va laisser comme ça pour que toi tu vois aussi bien comme il faut. Alors, ensuite, hop, c'est parti. Nananana, oui, d'accord, ok, j'accepte. J'accepte aussi, Term of Service. Donc ça, c'est toutes les choses qu'il faut accepter pour pouvoir jouer. Alors là, étant donné qu'on n'est pas dans le cadre d'une bêta fermée, il y a la possibilité de faire des vidéos, des choses comme ça, à ce qui n'est pas le cas, dans, par exemple, vu que Crysis, c'est Electronic Arts qui l'édite. SimCity, c'est pareil, c'est Electronic Arts qui l'édite. SimCity, il y a une bêta. Normalement, il n'y a pas le droit de faire de vidéo. Alors après, ça dépend si Electronic Arts, laisse le droit, ou enfin, moderne ou pas les vidéos. On verra bien. Je sais que j'ai un firewall strict. Tant pis, hein, pour cette fois-ci. Alors, quick match, match privé. Est-ce qu'on peut... Ah ouais, c'est sympa ça, mettre des matchs privés dans une bêta, c'est cool ça. Donc, player profil. Ça reste global, tous les modules à débloquer, les dog tags. Putain, il y en a 212. Les armes, il y a 19 armes. Alors, je pense que ça doit être uniquement pour la démo. Moi, j'ai déjà débloqué 1%, j'ai trop de la chance. Donc, clan tag. Allez, je vais mettre le même que dans Tron. Que dans Halo, je sais pas si Tron ça passe. Ouais, si, allez hop, Tron. Sinon, des fois je mets Earl aussi pour My Name is Earl. C'est sympa. Donc, dog tag, ça on peut pas le sélectionner. Bon, c'est pas grave, on viendra après. Donc, précommander. Ouais, d'accord. Donc, ça nous met la petite cinématique. On s'en bat un peu les steaks. Settings. Game sound, nanani nanana, ok d'accord, ouais bah il n'y a pas visual. Ouais, lens flare, ah c'est pas mal ça qu'on puisse l'enlever parce qu'il y en a pas mal qui se sont plaints, enfin qui se plaignent souvent des effets surrajoutés et il y en a trop. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et bah on va enchaîner tout de suite, allez hop, direct, quick match. Alors crash site,
Ouais, de toute façon, je vais te faire voir une vidéo des deux. Hein. Allez, hop, c'est parti. Donc, on va faire une partie de Hunter. Allez, je suis obligé d'attendre. Ouais, on trouve direct. Un petit peu normal, hein. Donc, évidemment, pour la chasseur, le mode chasseur, il faut éliminer le sel et le sel. Enfin, quand on est prédateur, et les. Enfin, quand on est avec l'armure, et les. Le sel doit éliminer les chasseurs avec la nanosuite. Donc, ça, le. Qu'est-ce qui se passe? Normal, ouais, c'est normal. Donc, je pense que. Ah, d'accord. Donc, je commence Ranger, Sniper. Où je reste au quartier général avec le truc de bourrin. Bah écoute, je vais rester sniper, on va voir ce que ça va donner, étant donné que je suis plutôt une quiche. En plus, je découvre le jeu. Donc, bon, on va suivre le sniper, hein. S'il se fait buter, on sera buté aussi. Ça, c'est un truc. Ah oui, d'accord, donc c'est ce qu'on voit dans le trailer de début. Voilà, qu'est-ce que j'ai comme arme? D'accord, bon, on va éviter d'aller juste à côté. Il y a quand même pas mal de monde. Ah super, on a des bonus parce qu'on survit. ça fait pas flipper du tout quoi. Alors je sais pas s'il peut monter. Non, ça a pas l'air de pouvoir monter. Si je peux pas m'embusquer, ça va pas servir à grand chose d'être sniper. Ah putain, tous les potes sont en train de se faire dessouder. Ah bah. Voilà, j'ai. Je me suis fait niquer. Donc c'est super. Ah bah génial, il était dans mon dos, donc il a dû me voir courir comme un con. Ah d'accord, en fait c'est un truc d'infecté apparemment. À moins qu'il n'y ait que moi qui suis devenu. Ouh, le clipping qu'il y a eu là. Ouais, à chaque fois, ok, d'accord. Il y en a de plus en plus, d'accord. Donc c'est le mode un peu comme le mode infecté d'Halo où il y en a de plus en plus qui deviennent. À chaque fois qu'il y a un membre du sel qui se fait démonter, il devient. Pas infecté, mais la chasseur. Donc forcément, là on est invisible. Alors il reste 8 secondes, il en reste 4. Comme je connais pas forcément la map. Bon, je pense qu'on a perdu. On n'a pas converti. Voilà. Je suis 11e. Bon là c'est un first grip, hein. Donc c'est vraiment pour découvrir le multijoueur. C'est pas vraiment pour faire des headshots ou quoi que ce soit, machin. Allez. On va rester... On va rester comme ça. Donc bon, globalement, le jeu, enfin graphiquement, ça reste un peu dans le même style que dans le deuxième. Donc à savoir que si tu réserves le jeu, tu as une version spécifique, enfin une version digitale, donc un code à mon avis pour télécharger le tout premier Crysis. Donc qui se passait, bah c'est le début. Il y a quelqu'un qui se ramène à mon avis là. Je pense qu'il faut bouger. Et je vois pas mes potes où ils sont morts par contre. Alors là, c'est pour se baisser. Bon, de toute façon, jouabilité comme un Call of Duty. Ça ne change pas. Alors, pour l'instant, je survis. Je dis bien pour le moment. Mais bon, je sens que je vais me faire rebuter comme un malpropre. Et à mon pote qui est là. Toujours. Alors, je ne sais pas comment faire pour les voir. Je vois que... Ça se trouve, ça doit être le prédateur là-bas. Ah, c'est ça. Donc il reste 28 secondes. Round 3 sur 5. Bon, mon pote est toujours là-bas. Alors, je sais pas si je vais au combat ou pas, parce que... Comme tout à l'heure, je me suis fait buter comme un...
Bah, méchamment dans le dos, ça se trouve, ça va refaire la même chose. Je vais me faire buter là juste avant les 10 secondes. Parce qu'on voit plus la tête là, la tête du prédateur. En fait, c'est ça, c'est la même chose que. Comment dire, que le mode infecté d'Halo 4. Donc, à mon avis, c'est la même chose qu'un mode infecté de toute façon. Ouais, j'aurais cru que c'était. J'aurais plus pensé que ça se rapprochait du mode de. Je sais plus si c'est le mode Max Payne, mais. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Mais il y a un mode où en fait. C'est à tour de rôle dans Max Payne 3 où en fait il y a Max, on incarne, il y en a deux au début qui incarnent Max Payne et puis l'autre pote, je me rappelle plus comment il s'appelle, ouais, je me rappelle plus du tout. Et donc en fait c'est son acolyte tout au long du jeu du solo. Et à partir de ce moment-là, dès qu'il y a Max Payne ou ah c'est Passos, voilà Passos, dès qu'il y a Max Payne ou Passos qui se font tuer, et ben c'est le tueur des deux têtes d'affiche qui prend la place de l'autre tête d'affiche. Donc c'est celui qui va marquer le plus de points. Donc évidemment quand on est ouais, super, j'ai été promu. Donc c'est celui qui va marquer le plus de points et quand on est les deux têtes d'affiche, on marque plein de points. Donc je pensais que ça se rapprochait d'un mode comme ça, mais là apparemment non. Donc je suis pas forcément déçu, mais c'est juste que je m'attendais à pas forcément foncer dans le tas, mais à voir un petit peu comment ça se passait. Je me fais buter peut-être là, non? Ah bah voilà. C'est donc à mon avis le petit bruit qu'on entend, c'est que parce qu'il y a le mec qui se rapproche. Donc en fait c'est ça. Ah bon, en fait j'ai couru dessus quoi. Bon c'est un peu con que ça arrive. Ah ouais d'accord. Donc quand tu rappuies sur le stick gauche, et ben à partir de ce moment là tu désarmes en fait ton arbalète. Donc là je la tiens. Et là voilà, c'est désarmé. Donc il reste 13 secondes. Je pense pas qu'on va pouvoir les retrouver. Donc là il y a des détecteurs de mouvement un petit peu partout. J'aurais bien aimé tuer quelqu'un, mais je suis pas assez à fond dans le jeu pour ça. Bon voilà, là c'était la quatrième manche. Je vais m'arrêter là et puis je vais reprendre directement après pour le nouveau mode de jeu. C'est reparti donc pour le crash site. Donc c'est pour la entre guillemets ouais la deuxième partie de ce first grip consacré à la bêta d'Halo 3, de Crysis 3 évidemment. Donc là, juste au mode d'avant, j'ai terminé 10e sur 12, j'ai grimpé d'une place, mais je me suis fait arbalêter bien comme il faut d'assez loin, donc j'étais caché. Sauf que bah vu que tous les hunters sont enfin tous les chasseurs sont un petit peu invisibles. J'ai pas regardé, évidemment, il m'a buté dans le dos. Donc comme ça m'arrive très régulièrement dans les FPS, pour ne pas citer Call of Duty. Alors, découvrons ce qu'on a un petit peu. Donc là, en scout, sniper. Bon bah là, apparemment, hein, j'ai la nano-combinaison. Ouais, j'aime bien jouer le bourrin avec les mitrailleuses lourdes. Bah du coup, j'ai pas pu choisir, parce que je regardais un petit peu comme un con. Donc, alors... Bon bah finalement je suis sniper, je suis une grosse quiche en sniper, donc là il n'y a pas la visée infrarouge, enfin la lunette infrarouge dessus. Je pense qu'il faut aller capturer ça, bon moi je vais bien me faire buter à arriver à un moment hein, de toute manière. Donc là j'ai tous les collègues qui sont en train de courir comme des oufs, il y en a déjà un qui s'est fait buter. Je sais pas si je l'ai eu. Non, j'ai dû le toucher. Ah d'accord, en fait là faut le défendre. Donc je sais pas si c'est les potes qui l'ont eu. Si lui c'est lui qui a dû l'avoir. Donc là ouais c'est... Bon les modes de jeu je m'attendais à quand même un peu plus sympa. Ouais, j'ai pas été assez rapide. Je m'attendais quand même à ce qu'il y ait... Est-ce que ça change un petit peu parce que sur les trailers on nous promettait des choses intéressantes et tout. Bon ça reste jouable et tout hein, mais je m'attendais quand même à quelques petites variations. Je savais que c'était chocolat mais j'aurais aimé que ce soit chocolat mais qu'on me surprenne.
Bon, je suis une quiche, hein, évidemment, au sniper, je le rappelle. C'est pour pas me faire incendier. Oh, t'es nul, nanani, nanana. Ah, voilà, avec le camouflage, ce sera plus sympa. Ah, je me fais allumer. Bah, c'est même pas moi qui l'ai eu, trop dégoûté, quoi. Bah alors, il y a nos combinaisons. Où est-ce que c'est le... Il n'y a pas la barre. Je vois pas trop la barre. Donc ça, par contre, c'est plutôt sympa, la réalisation avec les véhicules. Ça donne du peps. En fait, moi, ce que je recherche dans les modes multijoueurs, c'est le truc tout con. Mais ça te donne l'impression que tu sois en mission. Ah, putain, merde, faut le capturer. Ah bah, faut le défendre maintenant. En fait, ça donne l'impression que tu sois en mission, mais t'es en multijoueur. Et ça donne... Enfin, ça rajoute au gameplay multijoueur, mais un truc de ouf, quoi. Bon, je vais me faire démonter. Ah! Dommage! Et je lui ai mis une balle dans la tête, j'espère. Je sais même pas. Je sais même pas si je lui ai mis une balle dans la tête. Bah, c'est même pas moi qui l'ai buté, je le vois pas en haut à gauche. Bon, j'ai peut-être un peu visé à côté aussi, hein, c'est... Est-ce que je peux monter, là? Ah, ça, c'est cool. Par contre, je crois que je peux pas m'accrocher. Ah, si, ça y est. Donc là, j'étais en armure puissante. Donc les deux gâchettes, haut droite et haut gauche. Alors, haut droite, c'est pour le camouflage. On rappuie, ça désactive. Et là, haut gauche, c'est pour la super armure. Bon, je pense que c'est pas par là qu'il faut aller. Alors, ah, c'est sympa, ça a bougé. Alors j'ai même pas changé la... comment dire... la sensibilité des tirs. Bah alors, tu la prends ta balle. Double kill. Bon là, j'ai vu les trucs s'afficher, mais je les ai pas vus... Ah bah si, sur la gauche. Ça s'est affiché. En haut à gauche. Évidemment, c'est pas moi qui l'ai buté. Oula, je m'en prends plein la gueule, je suis mort. Ah, il m'a fait un petit... Ah non, même pas. Bah, c'est des coups comme ça. Mais si le mec il m'a tué, j'ai encore pu descendre et tout tranquille. N'importe quoi. Bon, j'espère que ça va pas être comme ça dans le jeu. Ou alors, peut-être que c'est ma fucking bitch connection qui me joue des tours à chaque fois, la pute. Je pense que je l'ai loupé. Super. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin du... Bon, il était aux pompes et je lui ai foutu deux balles dans la tête au sniper. Je sais pas ce qu'il lui faut de plus. Il était, à mon avis, il était peut-être en super armure. Bah, j'ai pas encore l'habitude... Enfin, je reprends pas l'habitude d'utiliser les... Comment dire? D'utiliser les pouvoirs de la nano-combinaison. Parce que là, il doit y avoir encore des ennemis. Parce que je vois les trucs rouges sur la carte. Bah. Alors je précise que c'est la toute première, enfin que c'est les toutes premières parties que je fais, hein, parce que je sens bien que je vais avoir des commentaires où t'es nul, où tu sais pas jouer. Oui, je le sais, je ne sais pas jouer. Mais en même temps, je fais pas des vidéos pour vous montrer que je sais jouer ou pas au jeu. C'est simplement pour faire découvrir les types de jeux. Ah mince, je l'ai pas eu. Alors par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a pas mal de clipping. Ça, c'est le coup de... Ah ouais. Donc en fait, dès l'instant qu'on est, comment dire, en furtif, donc là, apparemment, il y a un perte pour pas qu'on voit notre radar.
Donc il est où le Jean Marmoud là? Il y en a un derrière, au-dessus peut-être. Non, ça c'est le vaisseau. Est-ce que je peux sauter? Ah mais on n'a pas l'air de pouvoir monter. Ah bah je me suis fait démonter, il devait être invisible. Non, même pas. Oh d'accord, Harry. Je vois qu'il y a été en finesse. Tout en finesse, le mec. Bon, il reste 1 minute 15. Je suis apparemment dernier de mon équipe. Ah d'accord. Ah, c'est plutôt sympa ça qu'on puisse... Qu'ils aient ajouté... Ah, le mec, il était dans le... Bon, il va... Enfin, là, ouais, c'était la première. Il doit y avoir la possibilité de bien découvrir le mode multijoueur. Donc, hormis que les modes en eux-mêmes soient... merde. Soient en eux-mêmes classiques. Il y a pas mal de petites choses qui sont rajoutées, comme la personnalisation de l'arme directement. Je me rappelle plus. J'ai pas trop squatté le mode multi de Crysis 2. Mais je pense qu'il y a possibilité de bien s'amuser. Alors évidemment, sur le 2, il n'y avait pas de pass online. Là, croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas de pass online non plus. Ah, j'ai pas été assez rapide. Bon, je pense que c'est terminé, là. Donc oui, j'espère qu'il va pas y avoir... 10 secondes, il reste. J'espère qu'il va pas y avoir de pass online pour Crysis 3. Il n'y a pas eu de news encore là-dessus. Bon, de toute façon, le jeu sort le 27 février, je crois, entre fin février et début avril. Bon, grâce à moi, on a gagné. Heureusement que j'étais là. 5 points, c'est les 5 points d'écart que j'ai fait. Donc, voilà, bah, bon dernier, j'ai fait un vieux ratio. J'en ai tué 3 quand même et je suis mort 7 fois. Ah si, bah en fait, je l'ai eu. Ah bah oui, c'est les deux que j'ai buté en fait tout à l'heure seulement. Bon, j'ai fait 2 headshots. Voilà, je trouve que c'est pas plus mal. Ah d'accord, c'est parce que l'autre il a foutu un petit coup. Bon, alors ça, c'est plutôt sympa. Les petits moments forts à la fin, avec les petites killcam. Je trouve que c'est... En plus, il y a possibilité de faire après des montages assez sympas. Des frag movies assez sympas, ou tout simplement de choper les frags comme ça, les moments forts. Bien sûr, les meilleurs, hein, pas quand on se fait buter juste après. Donc voilà. Bon alors, cette bêta, elle est disponible jusque je ne sais pas quand. Je mettrai sûrement en lien dans la description, ou tout simplement tu vas le voir s'afficher là si j'ai recherché. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Il y a des choses relativement intéressantes. Les modes de jeu, j'attendais un petit peu mieux, mais finalement, on a des modes de jeu relativement classiques sur le fond. Après, c'est adapté à l'univers de Crysis. Et puis là par contre, ce que je n'attendais pas, c'est au niveau de la réalisation, au petit plus gameplay qui font que à la limite il y a possibilité d'avoir de passer un petit peu plus de temps et de pas décrocher directement, de dire ouais bah c'est du multi pur et simple quoi, enfin voilà, et puis ça change pas, il n'y a pas d'amélioration. Donc on va pouvoir se quitter. Et puis te dire à très bientôt pour le prochain Force Grip. En ce moment, je suis en train de faire une série spéciale catch, donc je me concentre pas mal là-dessus. C'est sur WWE All Stars que tu peux retrouver régulièrement et chaque semaine sur Pixel Spray. Je t'invite à aller faire un petit tour. Et puis je te dis à très bientôt. Salut, c'était Bébête.